Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est de retour sur un petit jeu mobile, hop, Jurassic World. Et re les amis, j'en profite en off pendant cette cinématique pour vous expliquer un petit peu le but de cette série sur jeux mobiles. C'est tout simplement de découvrir le jeu ensemble, ça vous permettra d'avoir une idée de ce qu'il apporte, de ce qu'il est comme style de gameplay, comme jeu, si vous trouvez pay to win, tout ça, avant même de le télécharger, et donc de pouvoir profiter en fait de son gameplay le temps de le télécharger si vraiment vous souhaitez ou non le tester. Voilà, bonne vidéo à tous. Et nous y voilà enfin avec le son un petit peu baissé, les amis. Donc comme je le disais, vous l'aurez compris, Jurassic World. Donc Jurassic World, bah tout comme le film, hein, tout simplement. Donc au début, il vous accompagne fortement au niveau du jeu pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment là vous le voyez, comment faire des évolutions entre les dinos pour pouvoir casser cette limite de niveau 10. Hein. Hop, donc là on collecte. Donc notre trike, on va dire que ça a fusionné deux trikes de niveau 10 qui nous permettent, si on le souhaite, d'aller un petit peu plus haut dans les levels jusqu'au level 20. Et après, il faudra refaire la manip de niveau 20 pour pouvoir aller au niveau 30, ensuite de niveau 30 pour pouvoir aller au niveau 40. 40 étant le niveau maximum. Ce que je peux vous conseiller déjà pour le départ, c'est de bien suivre tout ce qu'ils vous disent. Le niveau de combat est passé. Voilà. Donc on débloque un dino. Parfait. On peut le faire incuber. Accélération. Collecter. Tant que c'est inférieur en fait à 5 minutes, vous pouvez toujours accélérer le dino. Hop, ça vous permet de gagner de l'XP. Ah, on n'est pas encore libre de nos mouvements. Collecter de la nourriture. Hop. Et voilà. Voilà. Et c'est pourquoi il faut absolument suivre les missions qu'ils vont vous donner. Ne faites quasiment rien à côté, en tout cas au début. Je vous le dis, parce que je l'ai déjà fait sur le téléphone. Les nouvelles extensions, vous allez cramer des dollars, vous allez cramer des dollars ou des pièces d'or. À chaque fois, ils vous enfilent, en fait. Donc, il vaut mieux les garder et le faire quand eux vous le disent, ce qui sera mieux. Voilà. Là, par exemple, bon, c'est eux qui vous disent d'accélérer. En vrai, vous attendez 50 secondes, vous accélérez gratuitement. Hein. Pour l'instant. Ok. La fameuse carte mystère, toutes les 6 heures. Voilà, bon là après, il vous file des petits trucs hein, pour que vous fassiez des dollars en plus. On va en profiter. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Ok. Ok. Donc on peut pas baisser le son. C'est trop bien fait ça. Donc là, voilà, vous avez des petits trucs qui vont clignoter un petit peu partout. Alors, déjà, le petit coup de la flèche là vers le haut, ça veut dire que vous pouvez EP vos dinos. Alors, moi, ce que je vous conseille,
Hop. C'est de EP vos dinos, mais de le faire intelligemment. C'est-à-dire que là, on a déjà un trike qui est niveau 11. Ce qui serait bien, ce serait de partir sur un Majung Gazorus, là, niveau 11 aussi. Donc, comme d'hab, hein, il vous donne les petites astuces. On va le mettre au niveau 10. Il en faut un deuxième pour pouvoir le faire évoluer. Donc, on va le faire. Accélération offerte. Normalement, il faut suivre les missions. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer. On démarre l'évolution, on accélère, elle se passe sans problème, c'est parfait, parce que lui l'évolution peut aussi crasher. Alors vous ne perdez pas votre évolution, hein, il suffit de la relancer, elle reprend là où elle s'est arrêtée. Voilà, là lui il veut qu'on fasse le niveau 2 de combat. Donc, combat, on va partir ici, combat de niveau 2. Donc là, vous avez aussi la rotation, on va dire, qui a l'avantage sur qui. Le carnivore sur l'herbivore, l'herbivore sur le volant sur l'aquatique, et l'aquatique sur le carnivore. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, c'est comme ça. C'était comme ça dans le jeu. Donc là, techniquement, il nous faut un herbivore pour avoir l'avantage sur le volant. Hop. Votre équipe n'est pas au complet. Allez, on va lui mettre un petit carnivore en plus. Non, on va lui mettre le volant en plus. Comme ça, il sera content. Donc, vous pouvez envoyer 3 dinos. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas envoyé les 3 dinos de mon côté. Juste après. Ça sent la full parade là. On n'en était pas loin. Hop. Allez, recrache ou pas recrache? Ah, pas recrache. Donc la plupart du temps, ça va se baser sur ça. C'est-à-dire soit accélération offerte quand on est à 5 minutes, enfin inférieur à 5 minutes, donc à partir de 4 minutes 59, soit on part sur des moins 10 minutes. Là, je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas sur téléphone, ça bug, vu qu'il y a 7 minutes, le moins 10 minutes ne marche pas. Donc vous allez le faire et il va rester à autant. Donc là, on va le laisser tourner tout simplement. Pour continuer les missions proposées, on va juste les faire up. Hop. Voilà. On va les faire up au niveau 20. Comme ça, on a récupéré les petits avantages. Et lui, on va juste le mettre au niveau 10. Wow, quoique, même pas. On mettra l'alaconda, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Hop, pour récupérer la nourriture que vous pouvez booster hein, assez régulièrement. N'oubliez pas aussi que vous avez l'extension d'offert. Hein. Donc on va partir par là-bas. Voilà, extension terminée. Tac. Normalement, on n'en a plus. Donc voilà. Le truc, c'est qu'au début, ça coûte pas cher. Donc on se dit, ouais, bah why not? Je vais faire mes extensions en dollars. Il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre pour, étant donné qu'ils vont vous les filer en fait à chaque level up. Attendez au moins jusqu'au niveau 10. Je vous le dis parce que j'ai fait la bêtise de le faire avant et on perd facilement de l'argent et après on se retrouve un petit peu bloqué sur certaines choses. Donc moi je vous conseille d'attendre le niveau 10 avant de commencer à payer vos extensions. Donc voilà pour ce premier épisode de découverte les amis, j'espère que ça vous aura plu. On va s'arrêter là pour cet épisode, hein. C'est un petit épisode tranquille. Tranquille, et on va continuer le level up jusqu'au niveau 10 en épisode. Donc c'est une découverte de jeu, donc par rapport à ce que j'en sais et par rapport à ce qu'on verra dans le jeu, ce qui est le plus intéressant à faire. Si vous avez des astuces, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et ciao ciao les amis.